Le sujet brûlant de l'époque de Wallace concernait la succession. Le roi écossais Alexandre III mourut subitement en 1286. Et puis l'héritière, sa petite-fille, mourut subitement alors qu'elle était en route pour réclamer le trône. L'Écosse était entraînée dans une lutte pour le pouvoir de style Game of Thrones et le pays menaçait de plonger dans la guerre civile. Le roi d'Angleterre, Édouard Ier, a profité de l'instabilité. À la grande horreur de nombreux Écossais, dont Wallace, il envahit le pays et s'établit comme dirigeant de l'Écosse. Mais Wallace n'a pas tardé à se défendre.